Donc, robe, Gémeaux, Azos, Tamaris, tenue pour les 1 an de ma fille, les petits make-up, avec une palette Zoeva. Bon, on a toujours le petit bouton de fièvre, mais bon, il va partir un jour. On croise les doigts. Bon, allez, bonne journée. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un weekly vlog. J'espère que je l'ai bien dit. Donc, un vlog de semaine. Donc là, on est lundi 12 juillet. Oui, lundi 12 juillet. Désolée pour mon gros bouton de fièvre, on le voit bien. Je vous reprends super tard, il est 13 h et quelques, je crois. Mais comme ce week-end, on ne s'est pas arrêté, vendredi soir, on est allé à un resto à côté de chez nous. Franchement, c'était hyper cher parce qu'on a mangé, on n'avait rien dans l'assiette. Moi, j'ai pris du magret de canard au cèpe. J'avais un rond comme ça là. Attendez. J'avais un rond comme ça de ratatouille et de poivron, vous savez, avec l'huile d'olive marinée. 3-4 morceaux de pommes de terre. Et au dessert, j'ai pris une crème brûlée. Ma fille, elle a eu un poisson pané avec 4 morceaux de pommes de terre aussi. Et mon compagnon avait pris une brochette de bœuf. Pareil, ratatouille. Lui, il mange pas de légumes, très peu. Mais là, il s'est un peu forcé du coup, parce qu'il avait faim. Et franchement, on a payé, je crois que ça a fait 90 euros pratiquement. Moi, je bois pas d'alcool, donc du coup, j'ai pris un iced tea. Ma fille aussi, mon copain, il a bu une bière et un verre de vin. Donc franchement, on s'est dit qu'on n'y retournerait plus. Parce que franchement, ça coûtait hyper cher pour ce qu'on a mangé. Du coup, vous avez dû voir ma tenue parce que je vous l'ai partagée dans l'ancien vlog. Samedi matin, on est allé faire les jeux des enfants parce qu'en ce moment, il y a la fête votive dans notre village. Donc du coup, ma fille est allée, j'ai mis un maillot en dessous parce qu'il y avait plein de jeux d'eau. On a fait ça. Après, on a tracé à Leclerc chercher le gâteau d'anniversaire parce qu'on fête l'anniversaire des 1 an de ma fille dimanche midi. Du coup, j'avais donné aussi rendez-vous à une dame qui habitait dans mon département pour un achat Vinted. L'après-midi, on s'est reposé. Ouais. Ah non. Début d'après-midi, j'ai maquillé ma copine et je l'ai coiffée et j'ai coiffé sa fille. C'était un super bon moment. Elle était contente du maquillage, donc ça m'a fait super plaisir. Et comme moi, j'adore faire ça, du coup, c'était super, quoi. Donc du coup, après qu'elle est partie, ben, du coup, je me suis reposée. Et le soir, on est allé au restaurant aussi, mais dans mon village. Et par contre, cette fois-ci, on a super bien mangé et c'était vachement moins cher. Moi, j'ai pris quoi? Ah oui, on avait pris planche de charcuterie, planche de fromage et des frites avec ma copine. Et par contre, mon copain avait pris un repas à part. Je crois qu'il avait pris du bœuf. Ma fille, elle avait une sorte de fish and chips, il me semble. Voilà. On était à la fête foraine. Et du coup, voilà, on a fait les peluches. Elle a fait un tour d'auto-tamponneuse. La pêche au canard, mais en fait, au jeu des enfants, elle avait gagné une pêche au canard gratuite, un tour d'auto-tamponneuse gratuite. Elle a gagné un chichi et un sirop. D'ailleurs, elle n'a pas tout utilisé, il faut qu'on les utilise parce qu'elle finit mardi. Mercredi soir, pardon. Du coup, voilà, on est rentré, c'était minuit, je crois. Parce qu'après, on est allé boire un coup au bar, juste pour blaguer. Voilà. Après, du coup, dimanche matin, j'ai nettoyé toute ma terrasse extérieure avec mon copain parce que le midi, on faisait l'anniversaire de ma fille de ses 1 an. Du coup, voilà, ça s'est bien passé. Le gâteau était très bon, celui de Leclerc, c'était la première fois que je le prenais. Il était très bon. Du coup, après, tout le monde est parti vers 15 h 30, 16 h à peu près. Du coup, après, on s'est reposé. Et le soir, rebelote, on est allé à la fête foraine. Fête votive, fête foraine. Du coup, avec une copine. Et on a mangé à la maison, on a mangé les restes et après on est allé, on n'est pas rentré tard. Elle a refait des auto-tamponneuses, des peluches. Parce qu'en fait, au plus elle attrape de petites peluches, et après elle, ça lui fait des points et elle peut les échanger et avoir une grosse peluche. Donc c'est ce qu'on fait, au lieu de garder des pleines petites, elle en prend qu'une grosse et c'est très bien quoi. Donc tant qu'à faire, j'ai dit prends-en une belle, parce que même si un jour on veut l'offrir ou quoi, on sait jamais quoi. Donc là, elle veut Reine des Neiges. Donc on verra si on arrive à l'avoir, il nous manque 2 points. Bon, normalement c'est faisable. Du coup voilà, là du coup ce matin, grand ménage de partout parce que c'était. Parce qu'en fait il nous est arrivé une bourde hier. Au moment de prendre le gâteau dans le frigo, la vitre a éclaté.
Donc, vous avez plusieurs étagères en verre et il y en a une qui a éclaté. Donc, du coup, j'ai plus que deux étagères. Donc, pour ranger, c'est un peu la merde. Du coup, on va voir pour où trouver une étagère prête ou acheter un verre et rajouter les morceaux en plastique qu'on a gardés. Donc, voilà. Et ce matin, j'ai cassé le dessus de ma bonbonnière, de ma salle de bain. Ma petite bonbonnière, j'avais une couvercle, je l'ai posée, il s'est brisé. Donc, j'ai envie de lui dire la poisse. Bon, après, la bonbonnière, c'est pas bien grave. Par contre, la vitre du frigo, ça fait un peu chier. Donc, du coup, voilà, j'ai regardé le prix des frigos, mais c'est. Sachant que moi, j'en veux un qui fasse que frigo et assez grand, un peu style américain. C'est mort, quoi, c'est trop cher. Donc, on va faire avec la vitre et on verra plus tard pour un frigo. Du coup, voilà, donc ce matin, j'ai fait le ménage à fond parce que j'avais peur qu'il reste des morceaux de verre. Et même les va-et-vient de tout le monde dans la maison. Voilà, j'ai fait un gros ménage. Là, j'ai couché mes deux filles pour être un peu tranquille parce qu'elles sont excitées. Vu qu'on s'est couché tard, deux soirs de suite, voilà, pour qu'elles se reposent un peu. Après, ma copine a acheté des cadeaux à ma fille. C'est ma copine qui a mangé avec nous samedi soir et hier, du coup. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle lui a pris. Elle lui a pris deux hauts à orchestra. Hop. Voilà. Il est trop beau celui-là. En 18 mois, elle les a pris avec le petit cœur. Vraiment super beau. Et elle m'a pris un toureuse. Donc ça c'est nickel parce que je vais y mettre avec des petits leggings. Vous voyez. Bon là je les ai pas encore lavés, il faut que j'y essaye. Voilà. Elle lui a pris un parfum. Parce que j'en avais plus. Et j'arrivais pas à en trouver des sympas. Et elle m'en a trouvé. Regardez. Il est trop beau. Il fait 100 ml en plus. Donc franchement, là, je vais en avoir pour une vie. Il est super beau. Donc du coup, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, ben, le programme, là cet après-midi, on va se reposer. Parce que normalement, on doit retourner à la fête ce soir. Mais ils annoncent de la pluie. Et cette nuit, il a fait un orage. Donc, comme j'ai une autre copine qui vient manger avec ses filles, ben, c'est la fameuse que j'ai maquillée. Comme nos filles ont le même âge. Donc du coup, elle vient manger à la maison. Et on voit s'il fait beau, on ira un peu à la fête. Enfin, s'il fait beau, s'il pleut pas. Et s'il pleut, ben, on restera un peu à la maison, tant pis. De toute façon, moi j'y retourne demain avec une autre copine parce que je mange chez elle. Donc, pour attraper les deux fameuses peluches qui manquent pour avoir la grosse. Et comme en fait ma fille, parce que là tout le monde va dire waouh, il dépense des sous, beaucoup de sous dans une fête votive, fête foraine. Mais en fait, si vous voulez, moi ma fille, au premier soir elle a fait un tour de manège. Le deuxième soir elle a fait trois. Il me reste encore. On a pris pour 10 euros d'auto-tamponneuse, elle a fait que trois tours. Donc, en fait, elle veut y aller, mais elle veut faire les peluches, le tir à carabine et tout comme ça, par exemple, et les manèges, pas trop. Donc, du coup, finalement, ça ne coûte pas si cher que ça. Et comme ses mamies et sa grande-tante lui ont donné de l'argent, au final, j'ai pas encore pioché dans les sous de nous pour lui faire profiter de la fête parce qu'elle ne fait rien. Donc, finalement, on y va 3-4 soirs, mais au final, ça ne coûte pas plus que ça. Et au mois d'août, on va 1 à 10 minutes de chez nous, c'est pareil. On la fait tous les soirs. Mais si on dépense 40 euros, je crois, pour tous les soirs, c'est le bout du monde. Je crois que le plus qu'on dépense, c'est pour les churros et boire un coup au bar. Enfin, voilà. Parce que sinon, niveau manège, j'ai même des jetons pour des tours qui datent de 2 ans, je crois. Parce que je les garde, vu que c'est toujours le même manège. Après, par contre, selon les manèges, si je vois que ça va faire trop bébé pour l'année d'après, je les donne à des mamans que je connais parce que je vais pas me les coltiner non plus 10 ans, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, nous, on y va surtout pour avoir nos amis, pour le faire avec nos amis, surtout. Après, on voit les copains de classe. Hier, elle a vu ses copains de classe, elle était super contente. Du coup, elle a fait deux tours d'auto-tamponneuse. Donc, franchement, ça nous a choqués, deux tours de suite. On s'est dit, mais c'est bien et tout, profite, fais-en encore. Ben non, j'ai plus envie. Il y a des copains, quoi. Profite. Putain, moi, ma mère, elle me disait, je sais pas, je vous dis au pif, 20 euros. Et une fois que t'as usé tes 20 euros, ben on rentre. Mais elle, non, Enfin, là, je crois qu'elle avait 50 euros, même plus. Je crois qu'elle avait plus de 60 euros qu'on lui a donné, enfin, lui ont donné la famille. Elle les a toujours pas fait, c'est tout. Donc, du coup, les sous qui vont rester, ben, je vais les garder pour ou la fête d'août, ou si je dois acheter un truc, par exemple, il lui faut des nouvelles baskets pour la rentrée, pour autant, je prends sur ça. Comme ça, au moins, l'argent sera pour elle. Parce que je sais que la petite, hier, elle a eu des soucis. Donc, je les mets de côté. Et quand j'ai besoin d'acheter un truc, je prends avec, quoi.
Voilà, elle sait pas la chance, elles savent pas la chance qu'elles ont d'avoir autant de d'enveloppes. Moi, j'avais pas tout ça. Moi, même à l'adolescence, je voulais un truc, elle me disait, tu vas travailler. Ouais, super. Du coup, je ramassais les raves, les trucs comme ça, donc les navets, pendant les vacances scolaires. Et voilà, grâce à ces sous, je m'achetais un téléphone ou des vêtements. Donc là, mes filles ne se rendent pas compte de la chance déjà qu'elles ont qu'on leur donne des enveloppes ou même qu'on leur fasse plaisir. Parce que des fois, j'ai dit, tu t'en rends pas compte, il y en a qui ont vachement moins que toi. Ils font pas la même vie que toi, quoi. Donc, on essaie de lui apprendre un peu le sens de l'argent, mais c'est compliqué à cet âge-là. Du coup, voilà. Donc, après le programme de la semaine, bon, alors du coup, ce soir, fête normalement avec ma copine, son copain, compagnon et ses filles. De même, pareil avec mon autre copine, son compagnon et sa fille. Mercredi, normalement, on va à la mer, s'il fait beau. Alors, je me tâte parce que moi j'ai envie d'aller ou à Carilroué ou à Cassis. Mais ma fille veut du sable et moi j'en veux pas. Je déteste ça. Et le problème c'est qu'après elle va mettre 3 tonnes dans la voiture et mon compagnon avec sa voiture. Si on y met du sable dedans, ça va être horrible. Donc, on va voir parce que sinon, sable ça va être côté les Saintes-Maries de la mer, Gros-du-Roi, tout ça. Mais Gros-du-Roi, j'aime pas du tout. À la limite, j'aime bien y aller pour balader, faire les magasins, tout ça. Mais alors, me baigner, j'aime pas du tout. Après, les Saintes, c'est pas mal, mais bon. Moi, j'aime tellement le côté Carré-le-Rouet, Cassis, tout ça, que franchement, les autres côtés, ça me plaît pas du tout, quoi. Je trouve que le décor est plus beau. Après, c'est sûr, tous ceux qui habitent vers le Gros-du-Roi et tout vont dire que c'est là-bas le plus beau, c'est normal, hein. Mais bon, nous, de toute façon, niveau kilomètre et niveau temps, on est à peu près pareil des deux côtés. Quoique non, le Gros-du-Roi, c'est plus loin que Carry. Donc, on va voir. Jeudi, j'ai rien de prévu. Je pense qu'on ira se baigner à la piscine, si le temps le permet aussi, parce que là, ça tourne. Et vendredi, pareil, quoi. Ça va être une petite semaine, vu que ma fille, cette semaine, va pas au centre. Du coup, on va profiter de se reposer, tout ça. Et la semaine prochaine, elle a centre 2 jours. 2 jours et elle commence les cours de natation. Donc du coup, ça va être un peu plus intense. Du coup, voilà. Petite semaine. J'ai partagé mes tenues du week-end que j'ai mis pour aller au resto et à la fête votive. Du coup, vous verrez. Je vous l'aurais sûrement mis avant de vous blablater. Et je me languis que ce truc il parte. Il est horrible. Il est de plus en plus gros. Bon, là, c'est la croûte, donc faut pas que je l'enlève, sinon je vais repartir à zéro. Du coup, voilà. De même, je pense, je posterai la vidéo de mes achats de noces que j'ai fait il y a 15 jours, je crois. Ouais, c'est ça, il y a 15 jours. Donc, je la posterai là. Comme ça, au moins, ça fera la vidéo de la semaine plus le vlog. Et en plus, je suis contente, j'ai des nouveaux abonnés. Et j'ai eu pas mal de vues sur ma vidéo de solde. C'est celle qui a fait le plus de... Enfin, le plus de vues, non, une qui avait fait le plus de vues, c'était une ancienne qui date de 6 ans. Mais celle des soldes a fait pas mal de vues, donc j'étais contente. J'espère que ça plaît, en tout cas. Donc, du coup, voilà. C'est sûr que quand on voit des youtubeuses qui ont 1 million d'abonnés, qui sont super bien maquillées tout le temps et tout, ça attire beaucoup plus hein, que les filles simples. Mais bon, ça peut tout autant bien marcher. Et moi, c'est surtout pour me faire passer le temps et découvrir de nouvelles personnes. C'est sympa aussi de pas blablater avec vous. Enfin, avec les personnes qui me commentent mes vidéos, ça me fait super plaisir, quoi. Mais écoutez, je pense que là, de l'après-midi, on se retrouvera pas. Parce que je vais me reposer tout seul. Je vais regarder des vidéos YouTube pour regarder Elite. Je me tâte. Et par contre, ce soir, je vous partagerai ma tenue, mon maquillage. Peut-être les tenues des filles. Et je vous reprendrai demain de toute façon pour blablater avec vous, pour vous raconter la soirée, tout ça. Il est toujours là. La robe. Et les de chez Caporal, les chaussures, je sais pas encore, et mes bijoux habituels. Bonne soirée! Nouvelle journée!
Alors, petite robe d'un magasin un peu chinois sur le Pontet. Toujours mes Tamaris. Je suis tellement bien dedans. Après, ma montre. Une bague un peu comme ça. Voilà, les mêmes. Et en bas. Voilà. Et alors, écoutez, je suis pas maquillée. On va aller faire un tour dans une boutique avec ma copine Alicia à Venasque. Du coup, voilà, on va aller voir un petit peu des vêtements un peu bohèmes. Donc, je me suis pas maquillée. Hier soir, on est rentré tard. Je reprendrai peut-être plus tard. En tout cas, c'est sûr, je vous prendrai ce soir pour vous montrer ma tenue du dernier soir de fête votive. Et du coup, voilà quoi. Je vous retrouve plus tard. Dernier soir de fête, du coup, chemise de chez AliExpress, j'adore la matière, jean Levi's et des sandales de chaussée. Nouvelle journée! Salut! Donc aujourd'hui, on est le jeudi 15 juillet. Du coup, il est 2 heures. Ouais, midi passe, midi et quart, je crois. Et donc, du coup, je vous ai pas repris hier ni avant-hier. Je crois que je vous ai quitté. Je crois que je vous ai quitté quand je partais au à Venasque avec ma copine Alicia. Du coup, voilà, on y est allé. On s'est gelé les miches, pour parler bien. Il faisait hyper froid. Franchement, on n'aurait pas dû qu'on était en juillet. Il faisait 17 degrés, on s'est vraiment gelé, tellement on a bu un chocolat chaud quoi. Même ma fille, le sirop, elle le voulait pas, elle a bu dans mon chocolat chaud quoi. Donc on a bu un chocolat chaud dans un petit bar, tout ça. On est allé dans la boutique, j'ai pris du coup 2 robes et un haut, je vais vous les montrer. Pas de solde, bon, ça se voit que c'est un village touristique, ils font pas les soldes. Du coup après on est resté ensemble jusqu'à midi passé, après je suis rentrée. J'ai mangé, on a mangé, on s'est reposé et le soir, on est allé à la fête avec ma copine Juju. Donc voilà, on a mangé chez eux, on a fait apéro dînatoire, on a assisté au feu d'artifice et à la retraite au flambeau, je crois qu'on dit. Donc en fait, ils allument des sortes de lanternes et on fait le tour du village à pied et après il y a eu le feu d'artifice, donc c'est sympa. On est allé à la fête, ils ont fait des tours de manège, les filles. Voilà, on est rentré à 1 heure passée du matin. J'en pouvais plus le lendemain. Hier, franchement, on n'a rien fait. On a dormi jusqu'à 10 h et quelques. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Même à midi, j'ai grignoté. L'après-midi, on a regardé, on a commencé la saison 2 de Ragnarok. Je ne sais pas si vous connaissez. Nous, on avait bien aimé la première saison. Donc là, on est à la 2. Et voilà, j'ai regardé un peu des vidéos YouTube. J'ai pas fait grand-chose. Je me suis couchée à même pas 10 h hier soir, je crois. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et lundi soir, il y a ma copine Alicia qui est venue manger à la maison avec son chéri et ses filles. On a passé un super moment et après on est allé à la fête et elle m'a offert des cadeaux. Cette folle. Je sais qu'elle me regarde. Donc c'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment une folle. Ouais, elle m'a offert 2 petits cadeaux et elle a offert des trucs à ma fille aussi. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a mis mal à l'aise même. Mais ça m'a fait trop plaisir. Donc on va commencer avec ça. Voilà, donc un petit miroir avec le petit tiroir. Donc là, je vais pouvoir. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais il va trouver une place, c'est sûr. Et elle m'a pris ça. Ah, ça m'a fait trop plaisir. Le message, surtout, c'est waouh. Je suis trop contente. Et en plus, ça ira dans mon petit panier que je vous ai montré dans les halls. Vous savez, le panier un peu à jouer. Voilà, elle est folle, elle m'a fait trop plaisir. Et à ma fille, elle lui a pris ça. Alors, attendez, parce que là, c'est Hiroshima dans sa salle de jeu. Elle lui a pris des petits cahiers comme ça, là. Donc, il y a top modèle, j'en ai fait un avec ma fille hier. On se faisait chier, voilà. Et ça, franchement, c'est super beau. Et du coup, ma grande, franchement, elle en a fait pas mal. Je crois qu'elle a fini, hein, tellement qu'elle a aimé.
Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris une blouse de 100% coton. Voilà. Alors, ça va pas être pratique pour vous montrer. Voilà. Donc celle-là, elle était à 32. J'ai pris une robe noire. Mais alors, la matière est tellement agréable. Voyez, un petit entre le baby doll et le bohème. 39 euros. Bon, celle-là, elle n'était pas donnée. Par contre, super la matière. Et celle-là, 35. Voilà, un petit peu Vichy. Oh, celle-là, j'adore. La noire aussi. Hein. Du coup, comme j'arrivais pas à choisir, j'ai pris les deux. Du coup, voilà. Donc, je pense que je mettrai celle-ci ou la noire samedi pour aller faire les magasins. Comme je vais aller ramasser avec mes copines. Ouais, j'ai pas acheté grand-chose, mais bon, en même temps, déjà à 30 euros l'article, voilà quoi. Je me suis quand même fait plaisir pour ça. Donc, je me suis dit demain, tu dépenseras moins. Demain. Samedi, tu dépenseras moins. Demain, je vous montrerai ma tenue parce que demain, j'ai un rendez-vous à la gynécologue. Voilà. Le matin, après, on va aller voir ma mère et il faut que j'aille à. Alors, il s'appelle plus Toys R Us, il s'appelle comment? Pickwick. Il faut que j'aille à Pickwick Toy acheter des tétines pour le biberon de ma fille parce qu'elle me l'a. À une, elle me l'a défoncé, la deuxième, elle est en train. Du coup, il faut que j'achète des tétines et du liniment. Donc demain, j'ai juste ça à prendre. Et l'après-midi, je vais aller sûrement balader avec ma mère. Rien de passionnant, quoi. J'ai fait un truc. Je suis allée sur Zalando. Parce qu'en fait, je voulais des Vans slip-on à carreaux en plateforme. Elles étaient à 52 euros il y a 3 jours. Elles sont remontées à 63. Franchement, ils se foutent vraiment de notre gueule, Zalando. Au lieu de baisser pour les marques, ils remontent. La logique. Et je suis allée dans mes favoris. Et il y avait les Doc Martens noires et blanches. Donc toutes noires avec les coutures blanches. Et je les voulais depuis un. Ça fait un moment. J'avais déjà commandé les noirs vernis et les noirs basiques sur deux sites différents, dans des tailles différentes. Au final, ça m'allait pas du tout. Donc là, les commentaires conseillés 1,40. Donc j'ai commandé 1,40. Pardon. Conseil 1,40. Donc elles sont à la base à 190 euros, je crois. Ouais, quasi 200. Là, elles étaient soldées à 140 euros. Et si on dépassait 70 euros, on avait 15% supplémentaire. Donc ça les faisait à 120 euros. Donc au lieu de pratiquement 200 euros, on les a à 120 euros. Donc ça fait quand même une belle remise pour des Doc Martens parce que c'est très très cher. Même dans les boutiques vers chez moi, il n'y en a pas des masses qui les vendent et elles sont à des prix, elles sont jamais soldées. Donc écoutez, je les ai commandées en 40. On va croiser les doigts pour qu'elles maillent quand elles arrivent. J'ai pas pris deux tailles parce que j'ai plus le essayer et payer ensuite. Donc voilà. Donc on est jeudi, je les recevrai la semaine prochaine. Comme je voulais une nouvelle paire de bottines, bottes pour cet hiver, et ben ça sera celle-ci. Et je sais que les docks, c'est incontournable, indémodable. Le cuir, voilà, c'est la tuerie. Je sais que si elles me vont, les 120 euros, je ne les regretterai pas. Parce que je sais que des fois, je mets 80 euros dans des bottines et au final, c'est pas la folie, quoi. Il faut dire ce qui est. Donc je les ai commandées et en prime, j'ai commandé un t-shirt aussi, manche longue. Vans, mais je crois que je vous l'avais dit, les manches noires, marqué Vans en noir et sinon il est blanc. Donc là, il conseillait prendre une taille en dessus, donc j'ai pris du 40 pour être à l'aise. Et ces tricots, ils sont plus jolis quand c'est pas trop serré. Du coup, je surveillerai les Vans plateforme quand elles baisseront. Si elles arrivent à passer en dessous des 50 euros, je les commanderai. Donc, du coup, achat pas prévu du tout, les Doc Martens, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Ça fait plus de. Ouais, ça doit faire 2 ans que j'en veux. Et que chaque fois je regarde les prix et que je me dis non, les commandes pas, c'est trop cher et tout. Mais quand je vois les avis, je me dis putain. Bon, là, elles étaient à 70 euros de moins. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sauté le pas. Voilà. Donc je le dirai pas à mon copain. J'attends de les recevoir, de savoir si elles me vont. Et après, je lui dirai. Et au pire, pour compenser, je vendrai une paire de bottines. Voilà. Je fais ça maintenant. Comme là, j'ai acheté deux robes, vous avez vu, et une blouse. Je vais faire le tri. Je vais enlever trois vêtements normalement. Voilà. J'essaye de faire ça pour pas avoir trop de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je mets pas. Donc, je préfère
les remplacer par de la meilleure qualité. Comme ça, au final, j'ai toujours le même compte, enfin, le même nombre d'articles, mais de meilleure qualité. Donc, du coup, voilà. Donc, oui, je suis en peignoir, en pyjama. C'est journée pyjama aujourd'hui, comme hier. Il fait trop moche. Franchement, on est le 15 juillet. Voilà. Hier, on devait aller à la mer. Au final, annulé. Il faisait mauvais temps. Ma fille était dégoûtée. Et moi aussi. Donc voilà, je sais que ce week-end, les températures remontent. Donc du coup, ben, je vais voir. Pas pour ce week-end parce que je vais faire le shopping avec mes copines. Mais je vais voir autant pour le week-end prochain pour qu'on aille à la mer avec mon copain. S'il ne travaille pas le samedi. Ça donne envie le sud. Alors quand on dit que nous le sud on a le meilleur temps, on peut en douter. Je plains ceux qui sont venus chez nous quoi. Ils se sont dit on vient dans le sud, il va faire beau. Encore la semaine dernière ça allait, mais alors cette semaine, ceux qui sont venus cette semaine, ils doivent regretter quoi. Tout à l'heure j'ai regardé mon compte Vinted, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à vendre et il y a des trucs qui partent pas quoi, ça fait longtemps. Donc je pense que je vais en mettre de côté pour donner. Voilà, c'est comme les habits de ma fille. Je mets bon état pour tout. Alors, si vous allez sur mon Vinted, je vous le mettrai en dessous. Il n'y a que du bon état pratiquement. C'est parce qu'en fait, je ne mets plus très bon état ou neuf sans étiquette pour certains trucs. Je les mets vraiment, vraiment si je suis sûre que c'est irréprochable. Je ne mets plus très bon état pour l'unique raison que j'ai mis une fois très bon état. On m'a cherché des emmerdes quoi. Parce que la couture n'était pas de la bonne couleur, soi-disant. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi, la couture, si elle n'est pas de la couleur? C'est pas moi qui fais le vêtement, quoi. Là, la fille, pour une couture, pour un article à 4 euros, elle m'a cassé les couilles. Bon, elle m'a payé, mais elle m'a cassé les couilles, quoi. Donc, je ne mets plus très bon état. Donc, si vous ne voyez pas très bon état sur mes trucs, des fois, c'est très bon état, mais je ne le mets pas. Donc, je mets toujours dans la description, j'essaye de mettre quand même pas mal de choses. Je mets si ça a été beaucoup porté ou non. S'il y a marqué porté 2-3 fois, qu'il y a marqué bon état, c'est juste parce que j'ai pas envie de marquer très bon état. Et me faire emmerder par la suite. Parce que je trouve que les gens, déjà, c'est des gros abuseurs sur Vinted. On les vend 3 euros et encore ils râlent. Donc, alors si en plus on met très bon état et que la couture n'est pas de la bonne couleur, ce jour-là, je dis non, mais j'hallucine quoi. Après, pour les affaires de bébé, je mets bon état parce que c'est normal, ils ont été portés, beaucoup lavés. Moi, pour la petite, je lave ses affaires chaque fois qu'elle les met une fois. Ce qui est logique. Donc du coup, je ne vais pas marquer très bon état, même si l'article il reste en bon état. On ne peut pas marquer très bon état. Il a été lavé plusieurs fois. Enfin, pour ceux qui repassent, il a été repassé. Moi, je ne repasse pas, mais pour ceux qui repassent, ça a été repassé. Donc je pense qu'il faut ajuster quand même les choses. Ma veste Levi's, que je vous ai dit, très bon état. Non, pour moi, c'est une bonne état, que ce que j'ai acheté. Bon après c'est Levi's, c'est compréhensible que ça soit quand même un peu cher, mais franchement marqué bon état, marqué pas très bon état, ben... Moi c'est pour ça que du très bon état il y en a très peu, et c'est vraiment du très bon état, sinon je le mettrais pas. Pareil ma robe caporal que vous verrez, que vous avez dû voir même, la fermeture au niveau de l'élastique qu'on met au niveau du bouton, et ben, elle est abîmée, la fille elle a mis très bon état, et c'était même pas pris en photo. Bon, ça va, je l'ai payé 20 euros. La robe reste en elle-même très, très bon état, c'est juste ça, mais précise-le. Enfin, ça m'aurait pas dérangé, mais de le voir qu'après. Par contre, la veste Levi's, elle abîme à certains endroits, ça se voit pas forcément. Mais c'est vrai que si j'ai l'occasion d'en trouver une autre, ben, franchement, un très bon état par contre, ou neuve, je le ferai. Je la reprendrai, celle-là, je la revendrai sur Vinted. Donc, du coup, voilà quoi. Mon petit coup de gueule de la journée. Ah non, mais je vous jure. Là, des fois, j'y vais sur Vinted, je me dis, mais c'est pas possible. Ou des fois, ils vendent des trucs en bon état, 60 euros. Ben, quitte à le payer 60 euros, je vais au magasin, quoi. Et ma commande Morphe, pour vous donner une nouvelle, je vous avais dit que je devais la recevoir. Mais en fait, j'avais rien compris. Elle vient juste d'être expédiée. Ils ont mis plus d'une semaine pour l'expédier. Donc, là, il y a marqué entre 3 et 5 jours pour la recevoir, si j'ai bien compris. Donc, semaine prochaine aussi. De toute façon, je referai un haul solde si j'achète des trucs samedi, bien sûr. Sinon, c'est que pour la palette Morphe. Ah, mais si, mais j'ai mes docs. Bah, au cas où qu'elles me vont, je vous ferai une petite vidéo pour ça. Parce que si je garde pas les docs et que j'ai que le t-shirt Vans et Morphe, je ferai un vlog. Je vais pas tourner une vidéo pour ça. Et ce bouton, j'aimerais bien qu'il parte un jour. J'aimerais bien vous faire des photos sur Insta.
pour mettre un petit peu mon contestable un petit peu au goût du jour, quoi. Je mets que mes tenues, mais du coup, ça coupe, il n'y a pas la tête. Donc, n'hésitez pas à me rajouter sur Insta. Je vous mettrai mon Insta là. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fait plaisir. En plus, j'ai de nouvelles personnes, c'est trop bien. Donc, bon, par contre, je vois qu'il n'y a que les hauls qui plaisent. Les vlogs, un peu. Ouais, mais alors, le haul sol. Je suis trop contente. Enfin, il a beaucoup de vues. Pour moi, ça fait beaucoup. Il en a plus de 200. Mais alors, là, les vlogs, vous aimez pas. En même temps, j'en ai posté qui duraient un moment. Donc, je vous comprends quand même, parce que c'est long à regarder. Tenue du jour. Chaussures Chaussea, pantalon Vinted, mais je ne sais plus la marque. Noz. Les bijoux. Bonne journée. Je viens rentrer de ma journée. Il est 18h40. Je vais vous montrer ce que j'ai pris aujourd'hui. J'ai acheté. Alors ce matin, je suis allée à mon rendez-vous du gynécologue. Du coup, je prévois de mettre le stérilet. Donc j'ai rendez-vous le 6 août. Donc celui-là au cuivre. Donc on verra bien ce que ça donne. Vu ce qu'on entend, tout ça. Comme je vais arrêter la pilule, tout ça. Donc du coup, il faut que je me mette à rechercher des culottes menstruelles. Donc si vous avez. Des marques à me conseiller, plutôt pas mal, pas trop cher, mais pas mal, coton, tout ça. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas du tout où me tourner. Bon, déjà, en premier, j'étais allée pour ça. Bon, bien sûr, j'ai eu un problème. J'avais une bombe, vous savez, d'eau, là. Je vais vous montrer. J'ai ça dans le sac à manger. Et en fait, il y a un truc qui reste appuyé dessus, elle s'est vidée. Sur les habits, tout ce qu'il y avait, tout est trempé. Je suis ravie. Tout était propre, je dois tout relaver. Donc du coup, j'ai pris des tétines Tommy Tipeee 6 mois plus, closer tout nature. Voilà, elles tombent pas mal. Je voulais en prendre plusieurs paquets, mais il n'y en avait plus. Donc ça, c'était à Pickwick Toy. Je suis allée à Stokomani parce que mon compagnon avait besoin de déo. Donc je Et il y a quelque chose qui a coulé. Non, mais décidément, aujourd'hui, ça va pas. Je lui ai pris 3 déos Sanex. Donc, un sensitif, un nature et un active control. Je me suis pris un déo Sanex pour moi. Et des brosses à dents pour ma fille. Après, je ne sais pas ce qui a coulé. Pour un parapharmacie à Becker, pour ceux qui connaissent de Monteux, j'ai pris 2 liniments comme ça. Parce que franchement, j'en avais plus. Je pense que... Ouais, c'est ça qui a coulé. J'ai pas vérifié. Et j'ai pris un gel douche Uriage. Vous savez, c'est celui que je prends tout le temps. Il coûte 5€ et quelques. Et il y a 1 litre. Donc franchement, vous emmerdez pas. Acheter des dopes avec des tas de cochonneries dedans. Et ça, c'est très bien pour le prix. Pour 5€ en plus. Et... Voilà. J'avais même plein de produits. Je me suis pris un mascara. Donc c'est rouge, alors R-O-U-G-J plus Eva d'amour. Donc je sais pas ce que c'est, mascara Effetto Siglia Finte. Écoutez, on va essayer, la brosse avait l'air plutôt pas mal. Là je vais pas toucher parce que j'ai même équipé. J'ai même plein de gel douche. 3,99€, ça valait trop le coup. Donc s'il est pas mal pour 3,99€, écoutez. Voilà, du coup je suis allée chez gynécologue comme je vous ai dit. Après j'ai mangé chez ma mère. Et après, on est allé promener dans un parcours de santé. Du coup, je vous aurais inclus un petit passage. C'était sympa. Du coup, voilà. Après, je suis allée à Auchan pour regarder les cartables pour ma fille. Mais bon, le seul qui plaisait, c'était plus cher. Bien sûr. Et ils n'étaient pas transcendants. Donc, du coup, elle veut aller voir à Leclerc. Donc, j'irai mardi prochain. Après, je suis allée à Stoco et je suis allée en parapharmacie acheter mes 4 bricoles qui me manquaient. Donc, rien de trop passionnant. Hello, samedi 17 juillet.
J'ai mis ma nouvelle robe. J'adore. Ça fait très décontracté, la matière très fine. On est super bien dedans, quoi. Je sens que je vais pas avoir chaud. Bon, mais comme d'hab, les cheveux attachés. Je les détacherai peut-être plus tard. Je vais vous montrer mon maquillage. C'est une que je fais régulièrement. J'ai essayé le mascara à 3,99€. Mais regardez. 3,99€, je suis bluffée. J'aurais dû en prendre plusieurs. Je me serais fait un petit stock. Mais bon. Du coup, en boucle. Alors, peut-être de ce côté. J'ai mis ça. Bon, mais mes boucles habituelles. J'ai mis mon petit collier Ekita de toutes les couleurs. J'ai mis celle-là. Bon, on m'a montré mon bracelet. Là, j'ai mis mes deux packs préférés. Et là, j'ai mis un combo de plusieurs bracelets. Donc, j'ai deux Ekita, un Adopt et un Shabada. Bon, après, moi, j'y vais pas les idées particulières, vous le savez. À part une veste Levi's. Peut-être un jean Levi's. Je sais pas. On verra. Parce que hier, oui, je sais pas si je vous ai dit, chez la gynéco, je me suis pesée. Je faisais 67 l'année dernière. Juste à... Alors, en fait, j'ai accouché. Oui, j'ai accouché. Je faisais... Après avoir accouché tout ça, j'étais descendue à 65, il me semble. Donc, j'étais trop contente. Il me restait 1 kg. Vu que j'avais pris que 8 kg pour ma deuxième. Sauf qu'entre-temps, j'ai repris 2. Du coup, j'étais montée à 67. Et là, quand je me suis pesée, 65. J'étais trop contente. Du coup, il me reste 1 kg. Pour retrouver mon poids avant grossesse, enfin avant de ma deuxième grossesse, parce que avant première, je faisais 54, donc il me reste 10. Mais voilà, donc je suis contente. Si je pouvais descendre naturellement, sans rien faire, à 62, je serais contente. Passez un très bon week-end, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.